Le film Marilyn retrace 15 ans de la vie d'une jeune femme qui a quitté son petit village natal pour monter à Paris, pour devenir comédienne. Mais son parcours va être difficile, douloureux. Et vous, vous avez cette pudeur. C'est quoi cette phrase déjà que vous devez me dire? Je dois vous dire que Monsieur Pourchet a appelé, qu'il faut le rappeler à 17h. Vous voyez, vous la dites très bien cette phrase. Elle ne sait pas comment faire avec les autres, elle n'a pas les mots pour se défendre, tout est là et elle se retrouve dans un milieu complètement organisé, qui est systématisé, où tout le monde sait quoi faire, il y a des codes, qu'elle a pas, les codes elle ne les a pas du tout. Pour Guillaume Gallienne, Adeline Dermy, sociétaire à la Comédie Française, était la comédienne qui pouvait interpréter le rôle de cette femme modeste qui ne trouve pas les mots pour se défendre, mais qui fait preuve d'une grande force et d'une grande résistance. Avec elle et d'autres qui ont travaillé sur ce film, il s'est entouré de personnes qu'il qualifie de modestes, un trait de caractère dont il aimerait être doté. Il vit son absence de modestie comme un véritable handicap. Mon meilleur ami, on était adolescent et puis on était dans sa petite chambre avec son petit lit, son petit bureau. Il avait son petit pull col rond et puis je lui parlais de mes problèmes. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'essayes pas d'être simple? Et lui, j'ai très bien vu ce qu'il voulait me dire. Ça se voyait, c'était incarné devant moi. Mais non, moi je ne sais pas ça. Et voilà. Le film Marilyn dérange, mais est aussi porteur d'espoir. Guillaume Gallienne a su montrer qu'en donnant du temps, en étant bienveillant, on peut transformer une vie. C'est la plus belle soirée de ma vie. Non mais ça va pas. Ducamp, je te parle. Qu'est-ce que tu lui as fait ?